Invité ce lundi 27 avril 2020 sur Europe 1, Dominique Besnéard a évoqué la quatrième saison de 10%, dont un morceau d'épisode de la série a été tourné lors de la dernière cérémonie des Césars. L'occasion de confier qu'il n'est pas prêt de convier Florence Foresti puisqu'Oyol n'a pas du tout apprécié sa manière d'animer la soirée. « Je me suis fâché avec des gens », jure-t-il. Des semaines après, le sujet fâche toujours. Invité de Philippe Vandel sur Europe 1 le 27 avril 2020, l'agent de star, comédien et producteur Dominique Besnéard est revenu sur la cauchemardesque dernière cérémonie des Césars. Une soirée marquée par le sacre de Roman Polanski et les départs en réaction d'Adèle Haenel et de la maîtresse de cérémonie Florence Foresti. C'est cette dernière qui l'a désormais dans le collimateur. Évoquant le lancement prochain de la quatrième saison de sa série 10%, Dominique Besnéard a pu dire tout le mal qu'il a pensé de la gestion « périlleuse » de la cérémonie des Césars par Florence Foresti. On a tourné à la cérémonie des Césars mais heureusement on a tourné l'après-midi, on avait notamment pu voir Charlotte Gainsbourg le pied dans le plâtre, NDLR, donc on n'était pas dans le scandale. Heureusement, du reste. A-t-il d'abord relaté, avant d'être coupé par l'animateur, lequel lui a fait remarquer qu'il ne faudrait donc pas compter sur Florence Foresti pour apparaître dans 10%. Ah bah tant mieux hein, franchement. J'ai trouvé ça insupportable. J'espère que ça n'est qu'une faux pas pour elle parce que franchement. Une telle violence verbale et une telle. Enfin, je veux dire, on peut rire de tout le monde, mais du physique des gens. Non, pour moi c'est nauséabond cette cérémonie, a-t-il ajouté. Dominique Besnéard, comme de nombreuses personnalités de la vieille garde du cinéma français, avait très vite critiqué Florence Foresti après sa prestation au César. De quoi devenir clivant comme il l'a lui-même reconnu, alors que la jeune garde a elle majoritairement soutenu la comédienne et humoriste, tout comme les réseaux sociaux. Je me suis tellement énervé, je me suis même fâché avec des gens. Donc laissons, passons à autre chose, a-t-il ajouté. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Vì dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19.